Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter la collection complète de 138 cartes, je crois, de la série Force Attack Extra de début 2016, vers mars, je crois. Donc, déjà, j'ai mis les deux séries Force Attack dans le même catalogue, donc ça rentre parfaitement. Juste séparé avec les règles du jeu et les checklists. Donc on commence, donc je vais présenter, je vais vous montrer une carte une par une. Donc assez vite quand même, parce que sinon ça va être un peu chiant. Donc voilà, on va commencer par les personnages de la résistance. Donc Force Attack c'est tout des personnages de Star Wars 7. Donc là on commence par Finn le numéro 1. Donc ils sont tous classés dans l'ordre. Hein. Rey, Bonhomme Ron, BB-8, Han Solo, Chewbacca, Général Organa, Amiral Akbar, Amiral Statura. Donc là c'était un peu les personnages emblématiques de la résistance. Après on passe aux un peu moins connus. Donc là la deuxième page, Major Emmett, Major Bruns, Snap Wexley, Jeff Gestestor Pava, Elo Asti, Nienumb, Corsella, Vauber Dand, Pamiche Nero, Kaidel Ko, Ghost Wars, Boli Prindel, Soldat de la Résistance, C3PO R2D2, de connu aussi. Donc, Droïde Gonk. J'avais appelé ça comme ça avant, mais en fait c'est KBEG6. Oh, j'ai. Si j'ai des problèmes avec les noms, c'est pas grave. Parce que c'est des personnages pas trop connus. PZK4CO. M9G8. Donc là, nous avons BU4D. Et GA97. Donc là, on va passer au personnage du premier ordre. Donc Kylo Ren. Général Hux. Capitaine Phasma. Lieutenant Mitaka. Colonel Datou, sergent-chef Unamo, sergent Tanisson. Donc aussi ça permet de reconnaître les personnages qu'on voit pas souvent dans le film, qui sont faits en Lego aussi. Donc dans le nouveau jeu vidéo aussi. Ingénieur de la flotte spatiale, lieutenant Rodinon, technicien Mandetta, Stormtrooper, Flametrooper, Snowtrooper, Stormtrooper anti-émeute, pilote de chasseur TIE, le Faucon Millenium. Donc là c'est les vaisseaux de Star Wars 7. Donc les Ravana, transport de la résistance, chasseur stealer X-Wing, X-Wing de Podamron, Speeder de Rey, le Finalizer. Donc, on repasse comme ça. Navette de Kylo Ren, chasseur TIE, chasseur TIE des forces spéciales. Donc là, nous passons mercenaires et contrebandiers. Dunkar Plutt, sbire Dunkar, un autre sbire Dunkar. Tino, donc des personnages qu'on voit dans le film. Après, qui sont un petit peu plus cachés. Adgar ici, Bobaro. Crusher Root Down, Sarcoplanque, Officier Zuvio. Donc là nous passons à comment ça s'appelle, membre de gang, voilà, je sais plus comment il s'appelle. Balatic, donc le chef, soldat guavien, un autre soldat guavien, Tasulich, Volzang Lutrul, Krokind Shan, Razu Kinfi. Ça serait drôle pour vous de m'entendre galérer sur les noms, mais tant pis. Donc là après nous avons les membres du château de Maz, donc Maz Kanata, le capitaine Itano, qui est d'ailleurs un de mes personnages préférés de. Bah, je le trouve stylé en fait. Gromgar, Basine Nétal,
Donc là, c'est Strono Cookie Tugs, Wooly Van, Qui-Gold, Prusui Vant, Prachy et Cratinus, les triplés Ask, Jashko, Furus. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc après, ici nous avons Gwilis Bagnaro, Prinster Homelan. Ici nous avons Apabor, le Lugabast. Ici nous avons un Rattar. Après nous passons à la catégorie des qui s'appelle Monte en puissance, où il y a deux personnages, un duo en fait. Donc ici il y a FN 2187 et Podamron, donc Finn et Podamron, Rey et Finn, Anne et Chewbacca, Anne et Leia, R2D2 et C3PO, BB8 et R2D2, Rey, Finn et BB8, donc là Anne, Chewbacca, Rey et Finn, Kylo Ren et Capitaine Phasma, Grumgar et Bazine. Donc là nous passons aux brillantes. Donc les brillantes normales, Finn, Rey, Podamron, Han Solo, Chewbacca, BB-8, C-3PO, Kylo Ren, Général Hux, Capitaine Phasma, Stormtrooper anti-émeute, Stormtrooper, voilà, Mass Kanata, Capitaine Itano, Tasulich, Balatic, la base Starkiller, le finaliseur, navette de commandement de Kylo Ren, chasseur TIE et le Faucon Millenium. Donc là il m'en manque là. Donc là on commence la Ravana, chasseur stellaire X-Wing, X-Wing de Podamron. Là nous passons aux cartes rare en or avec de l'or dessus, mais je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc Finn, Rey, Podamron, Han Solo, Luke Skywalker, donc la seule carte de Luke Skywalker de tout le set, Kylo Ren, Capitaine Phasma, Stormtrooper. Donc là on passe aux cartes 3D qui sont encore plus rares. Finn, je sais pas, bah je l'ai pas. Podamron, Han Solo, Chewbacca, BB-8, Kylo Ren, et là Capitaine Phasma, après un autre, deux autres là à côté qui doivent être. Je sais qu'il y a une carte bleue mais je sais plus l'autre. Il y a aussi une carte que je suis très content d'avoir, qui est disponible une fois sur 50 paquets, c'est une carte édition limitée. Donc il y a plusieurs cartes édition limitée dans la série française. Donc faut savoir que les cartes édition limitée françaises sont très rares. Et j'ai pas eu n'importe quelle carte édition limitée. J'ai une carte édition limitée qui me représente très bien. C'est la LETB de Han Solo. Voilà, édition limitée Han Solo. Le Star Wars 7, 90 de défense, 94 d'attaque. Donc avec 5 étoiles. Voilà, en or, par rapport aux autres. Donc elle est écriture en or avec marqué édition limitée ici. Donc derrière ça change rien. La résistance. Voilà, c'est la dernière carte que j'ai. Donc il m'en manque quelques-unes de ce set, mais je voulais vous présenter quand même le set à peu près complet. Parce que je sais que j'ai tout ouvert les paquets que j'avais. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Donc je suis très content d'avoir terminé cette collection et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.